to get you, Barbara. Stop it! You're acting like a child! Look, they're coming for you. Look, there comes one of them now.
Wingardium Leviosa. Stop it, Rod. Stop. Oh, Wingardium Leviosa. Ronald Weasley. Oh, Leviosa. Stop. Leviosa. Je me nomme Harry Kino. De par ce nom,
J'existe. Mais de par mes actes, je suis. On me prétend mauvais. On me prétend mangeur d'enfants. On mentionne mon nom, Harry Kino. Quand la lune est pleine et que les malheurs s'imposent au matin. Et pourtant, tout ce que je fais, tout ce que je suis, c'est être. Car moi, au moins, je suis. Pouvez-vous en prétendre autant ? Alors, Pierrot, vous voilà à nouveau parmi nous. Excusez-moi, j'ai dû m'endormir. Oui, vous vous êtes endormi. Enfin, pas ce soir. Non, moi je vous parle de cette époque où, sans vous en rendre compte, vous avez fermé vos yeux et vos paroles aux autres. Vous voyez de quoi je parle, n'est-ce pas, Pierrot ? Je crois, oui. De quoi avez-vous peur ? Quelles sont ces angoisses qui vous tordent les entrailles à chaque fois que quelqu'un s'adresse à vous ? Comment est-ce que vous me connaissez ? Vous n'avez pas saisi ? Je suis vous. Je suis Pierrot et Harry Kino. Mais la scène que nous jouons actuellement, ce dialogue entre vous et moi, il n'y a que vous qui pouvez l'entendre. Car tout ceci se déroule dans votre tête. Quoi ? Vous qui êtes si prompt à penser que tout le monde vous juge, vous devez vous dire que si des spectateurs nous écoutaient en cet instant, ils penseraient que cela manque d'originalité, n'est-ce pas ? Bien voilà, Pierre. Vous êtes le seul moteur de vos angoisses. C'est votre propre frayeur qui vous broie. Vous vous sentez comme l'agneau aux prises de la meute de loups. Frêle dans les obscurités de la nuit, où seuls les silences de vos hurlements pourraient résonner aux oreilles d'une aide qui jamais ne viendra, puisque vos angoisses sont le berceau de votre solitude. Et pourtant, vous venez ici presque tous les soirs, entouré des autres spectateurs, à dévisager les planches. Pourquoi ? Je voudrais être comme vous. Je voudrais devenir comédien. Magnifique. Si vous montez sur scène, si vous devenez celui que l'on regarde et que l'on écoute dans cette ténébreuse assemblée, vous serez regardé, écouté, jugé. Est-ce vraiment raisonnable, Pierrot ? Pourtant, je me souviens. Il faut parler plus fort si vous voulez vous faire entendre, Pierrot. Pourtant, je me souviens. Quand j'étais petit, je créais des histoires et je les jouais devant ma famille. J'ai toujours voulu faire du théâtre. Mais mes angoisses m'ont empêché de jouer la comédie. Et pourtant, nous jouons tous la comédie. Tous les jours, nous portons des masques qui trônent fièrement sur notre visage comme reflet de ce que l'on pense que les autres veulent voir. Car nous sommes tous des comédiens. Et cela avant même de monter sur la scène. Mais toi, Pierrot, tu es différent. Puisque ce ne serait qu'en devenant comédien que tu cesserais de jouer la comédie. Je m'appelle Pierrot, j'ai peur des autres. Ils vont me juger si je fais ça. Me détester si je fais ça. Alors je vais monter sur scène, réaliser mon rêve de gosse et me prouver que je peux le faire. Alors vas-y, Pierrot. Tiens, attrape ton masque. Et détruis-le. Car tu es prêt. La peur est le soulier du courage. Le courage est le chemin de la félicité. Alors montons sur scène. Retirons notre masque. Redevenons nous-mêmes. Devenons le comédien.
Vas-y. Oh. Hein? Jamais tout seul. Quoi? Tu vas voir, c'est la télé. Il y a du foot. Quoi? Vas-y. Quoi? Installe-toi. Quoi? 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 On comprend rien à ce que tu dis. Vas-y, fume. Les blancs, ils sont trop forts. Vas-y, va écouter. Passe. Tire. La masse. Tire. Mais tire. La petite grenouille des Pyrénées, communément appelée la renouille,
se ferait un chemin de nénuphar en nénuphar en attendant de voir passer son repas. Le moustique déteste... Mais la... qu'est-ce que tu fais? Donne-moi ça! Donne! Donne! Oh non! La foutre! J'y crois pas! En fait, il est trop chelou! T'es petit, t'as un gros bec, et t'es tout noir! T'es pas comme moi! Un truc qui cloche? Qu'est-ce qu'il me veut? Bizarre. Pourquoi ma planète? Pas normal, bizarre. Ah oui, mais ça y est, j'ai tout compris! T'es venu me piquer les femmes! C'est ça? D'ici! Tu crois pas que je galère assez comme ça pour que tu viennes tout foutre en l'air, hein? T'as envie de mourir? C'est ça? Mais voilà, t'as gagné! Montre-moi ça! Oui, c'est vrai qu'il ne fait pas grand-chose à la maison. Mais parfois, ça lui prend comme une pulsion d'aller en forêt avec ses sales bêtes, d'aller les promener, d'aller les faire gambader dans la boue et la flotte. Bon, elles ne risquent pas grand-chose, les sales bêtes, tant qu'elles ne vont pas remuer avec leurs sales petits museaux le mauvais buisson. Buisson dans lequel se cache un petit serpent venimeux. Mais le vrai danger vient plus tard. Le vrai danger vient lorsque la nuit commence à tomber, lorsque l'alcool commence à monter, lorsqu'il ne sait plus ce qu'il fait, lorsqu'il oublie, lorsqu'il part en vadrouille. Le silence éternel de ces espaces infinis l'effraie. Il se rend compte alors qu'il est seul, qu'il ne sait plus où sont passées les sales bêtes. Alors, guidé par la frénésie et par l'ivresse de la nuit, il s'enfonce, il traverse, il ne sait même pas s'il cherche encore ses chiens. Il ne sait plus ce qu'il fait. Tout ce qu'il sait, c'est que l'alcool le pousse à avancer. C'est que l'alcool lui fait placer un pas devant l'autre. C'est l'alcool qui le tient en vie pour l'instant. Mon chien. C'est toi? J'imagine bien ce que vous êtes en train de vous dire. Et c'est bien le problème. Je vous imagine déjà en train de me juger, alors que vous avez peut-être juste envie de vous laisser embarquer sans aucun a priori. Mais c'est plus fort que moi. J'ai peur. Peur de votre réaction face à tout ça. Peur que ça ne vous plaise pas. Peur de devoir me justifier, et j'en ai marre de me justifier. Marre d'avoir peur des choses sur lesquelles je n'ai aucune emprise. Marre de ne pas lâcher prise.
Marre de ne pas accepter qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Marre de ne pas être moi-même le plus radicalement possible. Mais j'ai peur d'oser la radicalité. Celle de créer sans attendre, sans soucier du résultat, sans avoir peur de votre jugement. En fait, je crois que j'ai peur d'oser la liberté. La liberté, voilà ce qui trône au-dessus de tout. Mais cette liberté, quand elle est totale, fait tellement peur. S'assumer tel que l'on est et ignorer totalement le regard des autres, votre jugement, est si compliqué. Alors ok, vous allez peut-être me dire que la peur est nécessaire car elle nous sauve de plein de choses. Mais je crois que la peur, cette peur du jugement, du regard de l'autre, d'être qui l'on est, nous empêche surtout d'accomplir énormément de choses, de nous libérer. Et comme la liberté ne s'atteint pas sans s'affranchir de la peur, me voilà donc face à vous, mise à nu, essayant de ne pas me préoccuper de ce que vous en penserez. Réalisant ici quelque chose que j'ai toujours voulu faire, mais que je me refusais malgré l'envie. Car au-dessus de moi planait toujours cette ombre, ce poids, cette fameuse peur, peur d'être moi-même. Peur qu'en réalisant une œuvre qui me parle et me représente, vous ne m'aimiez pas telle qu'elle est, et donc que vous ne m'aimiez pas telle que je suis. Et le plus terrible là-dedans, c'est que ce besoin d'amour m'éloigne tellement de mon besoin insatiable de liberté. Mais aujourd'hui, j'ai décidé d'essayer de m'aimer en devenant moi-même. Et si vous voyez ces images en ce moment, c'est que j'y suis arrivée, sans me soucier du résultat final. Et juste pour ça, je peux vous dire que j'en suis fière. Fière et heureuse de m'être débarrassée de ce poids, de ces chaînes. Et ce que j'espère maintenant, c'est que vous aussi, quelles que soient vos peurs, vos craintes, vos chaînes, vos angoisses, vous oserez les combattre, les abandonner, les oublier, et surtout, vous en libérer pour devenir qui vous êtes. N'ayez plus peur. Exister. Thank you.
Bonjour, Marc à votre écoute. Bonjour, Marc à votre écoute. Les gens qui montrent des publicités sur ce site web gardent une trace de qui vous êtes. Ça peut être Google, ça peut être Facebook, mais ça peut être tout un tas d'autres compagnies. Bonjour, Marc à votre écoute. Traveling to the outer limits of time and space. Thank you.
quoi? J'ai même pas droit à un merci pour avoir préparé le dîner. Je prends de mon temps pour faire ton job. Toi, tu prends même pas la peine de me dire... merci. Pas foutu de reconnaître quand je fais un truc de bien. Quand je fais des efforts. Avec ta petite tête de conne. Merci. Bon. On va passer une bonne soirée. Bientôt prêt. Maman. Tout va bien, mon chéri. Encore quelques minutes de cuisson. Tu penses vraiment être la seule à pouvoir l'éduquer, hein? Je sais que tu penses que je suis pas capable de m'en occuper. Ne touche pas! Attention à comment tu me parles, hein. Mon chéri, arrête de jouer avec ta fourchette. Ça devrait être prêt. Okay. So, what's your name? It's Yana. Yana, how do you write it? With a Y? With a J. J-A-N-A. That's pretty cute, Yana. How old are you? I'm 20. 20, really? Yeah. What about the accent? It's Russian. Oh, you're from Russia? Yeah, I was living there with my parents when I was young. But it's been a while, I'm in LA. Okay, so how is it? Do you like it here? That's fine, yeah. You met pretty boys? Yeah, it happens. Yeah? What do you do with them? I don't know, we hang out, we drink, we sometimes more. Mm-hmm, sometimes more, huh? Yeah, it happens when they are mean. Oh, you like bad boys? It makes things easier. Okay, I see. Yeah. So, I think you know pretty well why we're here. Yeah. I think you can take off your clothes now. You think it's better without? Well, if you don't mind, yeah. Okay. It's up to you. Okay. That's better. Are you okay, Yana? Yeah. Is that your first time doing hardcore stuff? It depends on what. You know, the things we're about to do. A little. Yeah? You did it with friends before? With the girlfriends. Never with the boy? Several, but not that much. Why not? I don't know. Come on, tell me. It scares me. Okay. Yeah. What are you afraid of? What is your biggest fear? Come on.
It's silly, I warn you. Don't worry, there's no one here to judge you. People are watching just because they want to see you on camera. That's it. You sure? Yeah. That's blood. Oh, that's funny. Here we go. That's funny. And now you're having fun on me. No, I promise. I'm not. Yes, you are. You are so cute when you're embarrassed. Stop. Okay. That's it. I'm done. Okay, sure. Yes, I promise. You sure? Yes. Okay. Yana? Yeah. Are you ready to fight your fear? I don't know. I think so. I hope so. Okay. Come with me. Madame, brigadier Franck Silva, c'est témoin une, non? Oui, pardon, je suis vraiment désolé, j'ai juste eu un moment d'inattention et vous avez surgi. Écoutez, je dois réquisitionner le véhicule, mes collègues m'ont laissé seul, ils sont partis pour une urgence. Et c'est pas une mince affaire. C'est bon pour vous? Oui, si vous voulez. Nous allons au poste. Au poste? D'accord, je sais pas où c'est, mais vous me direz. Vous avez pas confiance pour ça, non? Passe quoi? Avec vos collègues? Vous savez, les temps sont durs. De nos jours, les gens ne jurent que par une règle, la leur. Enfin, je sais pas, j'imagine oui que ça va être... Et que fait une jeune femme comme vous, seule la nuit? Ben, j'aime rouler. Seule de préférence. Continue en face. Seul coupé du monde. C'est régulier. De rouler seul, la nuit.
dans votre BMW? Non, enfin, pas vraiment. Je sais pas, ça me prend parfois quand j'ai besoin de faire le tri, quoi. Il y a tout dans cette veste. Le poids de l'insigne. Qu'est-ce que vous en savez? Ça vous intéresse, ce qui se passe hors de votre vie, de votre véhicule, votre boulot? Pardon, je voulais pas... Non, vous en faites pas. Faites comme tout le monde, vous parlez. Vous pensez tout contrôler. Que rien ne peut vous échapper. Heureusement, je suis là. Excusez-moi. Il faudrait qu'on s'arrête. Centrale, officier à terre. L'un d'eux a été violé et dépouillé de ses vêtements. Aucun suspect sur les lieux. Fin de transmission. Thank you.
Madame, écoutez, je... Moi, j'ai jamais eu l'intention de vous faire mal, hein. Madame, au pire, vous me laissez partir et moi, je dis rien à personne, hein, je reviendrai plus jamais ici. Hey, wow! Respire. Calme-toi. Reprends-toi. C'est la bonne décision, tu as bien fait, ne t'en fais pas. Mon pouls décélère progressivement. Mon esprit, quant à lui, demeure amorphe, anesthésié. Mon habituelle lucidité, même affaiblie, est cependant toujours à mes côtés. Grâce à elle, je peux m'adresser à vous en toute conscience. Actuellement, votre œil curieux doit probablement se poser 1000 questions. Facilitez-vous la tâche. Oubliez tout. Le noir. Une peur plutôt commune, vous me direz. On ne sait jamais vraiment quel monstre nous observe, caché dans le placard, sous le lit ou derrière la porte, guettant l'occasion parfaite pour en surgir. À chacun sa raison de craindre l'obscurité. Et en vérité, peu importe pourquoi on la redoute. Car vous savez qui est le mieux à même de vous rassurer dans des moments pareils ? Les parents. Le calme olympien de ma mère me laissait toujours de marbre. À l'instant même où la noirceur me recouvrait, je devais faire en sorte qu'elle devienne mon alliée. Même enfermé, je pouvais sentir l'odeur du repas encore chaud sur la table de la cuisine, qui venait envelopper l'âcreté de l'humidité environnante. Je me tenais là, seul, avec pour seul échappatoire une infime source de lumière qui émanait de la porte. Elle me rassurait, me calmait. La simple vision de la pièce voisine adoucissait le silence, l'inconfort et le vide de la sombreur ambiante. Pourquoi ? En y songeant à nouveau, je pense que c'est le mot juste qu'un enfant aurait utilisé pour décrire ce qu'il était en train de vivre. Et est-ce que tout ça allait s'arrêter ? Si seulement. Mais vous vous doutez bien que non. Aurais-je dû avoir honte de moi ? Honte de ce que j'étais ? De ce que je faisais ? Non. Je ne faisais rien de mal. J'étais adolescent et comme tous les ados, je ne maîtrisais rien. L'âge du désir en tout genre était arrivé à son absolu. Vous voyez très bien auquel je fais allusion. Celui du corps, de la chair. Un désir intense, cru, acharné, parfois électrique et fiévreux. Mais, dans le fond, n'est-il pas normal de se laisser aller à ces pulsions d'adolescent ? Eh bien, apparemment non. Il se trouve que j'avais tort. Il arrive un temps où le monstre ne se contente plus d'attendre. À un moment donné, il attaque. J'aspirais qu'à une chose, c'était d'aimer et qu'on accepte cet amour en retour, si c'était pas trop demandé. L'amour, ça peut vous sembler cliché, mais c'est le cœur même de l'existence. Sans lui, nous sommes fades, creux, vides. Vous êtes d'accord avec moi ? Alors maintenant, avec tout ce que je vous ai raconté, imaginez la grandeur de ma désillusion. Vous savez ce qui est parfois pire que la violence ? Le silence. Mais pas n'importe lequel, celui qui tétanise. Comme si votre cerveau quittait votre corps le temps d'un instant, mais que vos yeux étaient encore capables de suivre la situation. Ce calme, imperturbable, inébranlable, ce regard transcendant et pénétrant. Cette manière de hurler non intérieurement, ça ne vous rappelle rien ? Pour moi, en revanche, c'était très limpide. La peur était toujours présente. Pourtant, ce jour-là, j'en étais arrivé à un point où la colère était capable de prendre le dessus sur tout. Appelez ça comme vous le souhaitez. Un tunnel sans fin, un cercle infernal, un cauchemar interminable. Cette perpétuelle hantise doit bien pouvoir s'arrêter quelque part. La réponse est oui.
Vous êtes inlassablement en train de marcher dans votre tunnel, de tourner en rond dans votre cercle ou de trembler dans votre cauchemar, jusqu'à ce qu'un écho du passé se présente, un souvenir brutal, vif. Une certitude s'achemine grossièrement jusqu'à votre âme. Tout devient flou. Vous ne sentez plus que les pulsations de votre cœur en furie battre dans vos oreilles. Puis plus rien. Soudain, la réalité. Vous êtes toujours avec moi ? Parfait. Je vous rassure, la délivrance approche. Mais avant, j'ai quelque chose à vous avouer. Je vous ai menti. Quand je disais que je n'avais pas le choix de présenter cette personne à ma mère, j'ai menti. Enfin, je verrais ça plutôt comme une échelle de nécessité dans les prises de décision. Certaines sont évitables, d'autres sont évidentes. Et ici, c'est plus qu'une évidence. En cet instant critique, comparé à la fois dernière, je n'ai réellement pas le choix. Détache-moi, mon fils. S'il te plaît. Non. Écartez, madame, s'il vous plaît. Il s'appelle comment ? Clément. Clément ? Clément. Qu'est-ce qui lui arrive ? Tu me stats, s'il te plaît. Clément ? Si vous m'entendez, serrez la main. Putain. Clément ? On l'emmène ? Si vous m'entendez. Non, on n'a pas le temps, il faut qu'on stabilise ici. Clément ? Madame ? Est-ce qu'il est allergique à des médicaments ? Non, je sais pas. Je sais pas du tout. Clément, ça va aller. Mathieu, tu peux s'occuper de la dame, s'il te plaît ? Clément, est-ce qu'il remonte ? Duration à 79. Putain, 79. Oh, merde. On tente la drée. Clément. Clément, on vous injecte de l'adrénaline. Qu'est-ce que je veux ? On le choque ? Thank you.
regarde. Ça, c'est ton pénis. Ah là. Dans quelques minutes. T'es pas bien là. Oh. Et tu sais même pas pourquoi t'es là. Tu veux que je t'explique? Regarde. Allez, je vais te chercher un petit jus de fruits. Je t'explique. Alors, tu préfères la pince? Que te... Il était là, il s'est vomi dessus. C'était son t-shirt préféré en plus. C'est le rose avec le lapin là. Ah putain. Bon, j'ai ça, ça vient de Jamin. Tu veux crever? Je l'ai désinfecté à la salive. Et c'est efficace? On va être vexé si tu bois pas dedans. Après, je veux pas te forcer, mais bon. Pourquoi il boit pas, ton pote? Il a pas envie de boire, on s'en fout. Donne-lui une paille de ton jus, là. Non mais Sarah, t'as pas vexé quand il a fait un bond de 10 mètres, là, pour t'esquiver? J'ai pas la gale, hein. Ça va, c'était pas excessif. Je suis propre. Tu veux sentir? Ça va, ça va, ça va, ça va. On a compris. C'est ton moment, c'est le moment de te surpasser. Chloé, t'es d'accord? C'était
C'était pas très drôle. Désolée hein, pour le mélange de salive. Je savais pas que t'appréciais pas trop. C'est plus convivial en même temps. Je vous connais pas assez pour ça. Jamin m'a dit que c'était toi qui avais ramené la bouteille. C'est cool, il est hyper bon en fait. Merci. Ça va ? Fais là. Ah merde. Je vais prendre ça plutôt. Tiens. Finis ça d'abord. Coucou ma sœur. Coucou. Oh, trop ça va pas. J'ai rompu avec Nicolas. Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, enfin, si... Je le sentais plus. Je le trouvais pas sincère, c'était un mec intéressé, quoi. Tu sais, il parlait tout le temps de fric, tout le temps. Depuis la mort de papa, il arrêtait pas de parler de l'héritage. C'est vraiment tous des sales cons, hein, quand il s'agit de pognon. Et ça va? Il l'a pas trop mal pris que tu le jettes? Si, 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 il est devenu complètement fou. Mais t'as rien fait, j'espère. Non, t'inquiète. Je t'avoue que j'ai eu peur, mais il m'a rien fait. C'est trop dur d'être loin. J'aimerais tellement me faire un câlin, moi. Moi aussi. Tu me manques. Attends, une seconde. Oui? Allô? Ou pas, hein. Souvent des clochards. Non mais t'inquiète pas, je veux pas n'importe qui. Ouais, toi, alors, comment ça va? Bah super, j'ai presque fini d'écrire mon roman. C'est génial ça, je vais pouvoir revenir bientôt du coup. Oui, je te dirai. Et sinon, toi aussi t'as reçu un mail de notre frère? Ouais, je lui ai pas encore répondu mais je vais lui dire d'aller se faire foutre. Je comprends pas pourquoi il nous fait ça. Sous prétexte qu'il a bossé avec papa, que c'est un mec, il pense que tout lui revient. Mais il n'y a aucune raison qu'on se laisse marcher sur les pieds. Ouais, d'accord, mais là, ça devient clairement inquiétant. Bah, attends, j'attends personne. Oui? Je vois personne. Il y a quelqu'un? Nicolas? Nicolas, c'est toi, je t'ai dit de me laisser tranquille.
Jess, raccroche pas, il y a quelqu'un qui pousse là. Bah, appelle la police. Appelle la police, Chloé. Jess, ne me laisse pas, il y a quelqu'un qui pousse la porte. Regarde dans ses poches. Thank you.
Valentine Marie-Saint-Pierre, j'écoute. Les 500 robes que j'ai reçues, il y en avait deux qui étaient vraiment mauvaises. Parce qu'il y en avait 800 à la base. Il y a un moment donné, il va falloir m'écouter, il y a des règles et c'est... Attendez, je modifiais. Oui, j'entends. Je sais pas quoi vous dire. Si, dans le bilan comptable, on est plus sur du... À un moment donné, c'est mon métier, c'est pas le vôtre. Pas de soucis pour les chiffres, je vais vous les sortir. Comment vous dire que là, ça va être compliqué? Ouais, ouais, ça va. Non, j'étais en train de lire. Je réfléchis un peu, je sais pas, genre... Ouais, c'est toujours comme ça, en fait. C'est fou. Ouais, y a aucun souci avec ça. Mm-hmm. Mm-hmm. Oui. Mm-hmm. Oui, oui, oui. Ah oui, d'accord. Ouais. Ok, merci. Super. Bonne soirée. Oui, au revoir. Répondeur de Valentine Dag, laissez-moi un message et je vous rappellerai dès que possible. Allô, c'est encore moi, Chantal, la voisine. Pardon d'être aussi insistante ce soir, hein, mais le monsieur étrange à votre porte, là, de tout à l'heure, il est parti. Est-ce que tout va bien? J'ai pas réussi à vous avoir sur votre portable. Bon, au fait, ne vous surménagez pas trop au travail, hein, vous allez vous tuer la santé. Bon, allez, je vous dérange pas plus. Bonne nuit.
Ouais, Anto, c'est Souad. Ouais, tu te souviens ce que tu m'as proposé par rapport à ton film? Tu veux mon astuce pour avoir un succès garanti? Oui, j'en ai besoin pour mon roman. J'ai pas du tout d'inspi. Tu fais le bon choix, t'inquiète. Envoie juste succès au X444 et tes rêves se réaliseront. Succès au X444, c'est tout? Ouais, c'est tout. Et je te le dis d'avance, n'aie pas peur. Ok, bah écoute, je vais tester ça, merci. Allô, Swad. Oh, c'est incroyable, je viens de recevoir les chiffres de ton dernier livre. Il cartonne. T'as encore battu tous les records. C'est incroyable, tes trois derniers bouquins sont tous des best-sellers. T'as fait de moi un homme riche. Merci beaucoup. Mais franchement, comment tu fais? C'est simple. Je donne à ma personne.
C'est-à-dire que c'est quand même vraiment important pour la boîte d'avoir cet entretien dans votre magazine. Ouais, puis c'était ce qui était prévu. Mais vous avez prévu quoi à la place? Quoi? Bonsoir. Salut. Ça va, t'as pas trop galéré pour te libérer? Bah, tu sais, la boîte marche pas des masses en ce moment. Un petit peu des requins qui nous piquent nos opportunités. Toi, ça va? Ça va très très bien. Et surtout, je peux te dire à quel point ça valait le coup que tu viennes. Meuf, c'est exceptionnel. Pour quelle bouteille t'as craqué ce coup-ci? Encore un Fortunato, je parie. Ah non, non, là, ça a rien à voir. J'ai craqué pour le Xérès d'Amontillado. Mais non. Mais si. Papa m'a dit que la cave des Montrésors allait être exhumée. J'ai été la première sur le coup. J'ai mis le bon prix en face des bonnes personnes. Et voilà. Me viens voir cette couleur. J'arrive pas à m'empêcher de la regarder. Fais voir. Et il y en avait beaucoup des comme ça? Meuf, c'est la seule. Mais non. Mais si. J'étais déjà bien partie, mais avec ça dans les mains, je te dis pas comment je pèse dans le game. Waouh. J'arrive pas à croire qu'on va goûter à ça. Ah non, non, par contre, j'ai pas du tout prévu de l'ouvrir. C'est juste que je voulais te la montrer. Mais oui, bien sûr. Je peux très bien comprendre que tu préfères ne jamais l'ouvrir. Ah non, tu plaisantes ou quoi? Enfin, ce serait une hérésie de gâcher une telle légende. Non, c'est juste que j'avais pas prévu de la boire avec toi. Enfin, je voulais faire des photos avec la bouteille avant. D'ailleurs, grâce à ça, j'ai ma tête en couverture le mois prochain. Mais oui, bien sûr. Et du coup, qu'est-ce qu'on va boire? Alors, t'en fais pas pour ça. Je nous ai sorti une petite merveille. J'espère que tu sauras l'apprécier à sa juste valeur. Ah oui, il est très bon. Non, enfin, il n'y a pas de « il est très bon ». Enfin, on en a déjà parlé. Il faut que tu professionnalises ton vocabulaire si tu veux gagner en crédibilité. Ce vin, il est tendre, il est gracieux, il est élégant. Bon, ok, écoute, je sais que tout ça ne te parle pas forcément, et puis, de toute façon, t'as raison, hein, il est très bon. Dis, tu voudrais pas me montrer un petit peu ta cave et me présenter tes vins? Bof, il fait froid. Mais allez, moi j'adore t'écouter en parler. J'apprends beaucoup. Bon, pour être honnête avec toi, j'aurais un peu l'impression de dévoiler mes petits secrets. Bah attends, c'est bon, c'est moi. Et puis en plus, il faut bien que tu t'entraînes pour quand les journalistes viendront t'interviewer. C'est vrai, ok. Ok, si tu veux. De toute façon, mon plus grand secret, il est là. Thank you.
Thank you.